T'as cliqué sur cette vidéo, ben sache que c'est la bonne vidéo. Je voulais faire une petite vidéo pour vous dire que dans la vie, en fait, il y aura toujours des moments de doute, des moments où en game vous allez perdre, ça c'est sûr, c'est inévitable même. Des moments où en partie vos choix seront très compliqués. Ils vous emmèneront à la défaite ou à la victoire. Mais si vous êtes sûr à 99% que vous allez perdre, alors vous allez perdre, c'est sûr. C'est sûr. C'est même vous qui allez faire perdre votre équipe. Il ne faut jamais abandonner. Battez-vous comme des lions. Vous êtes des lions. Il ne faut jamais perdre l'objectif en tête. Restez sûr. Restez sûr. À 100%, tout peut se jouer à une dernière manche ou à quelques secondes. Tout peut se jouer à une seule action de votre part ou de tous les gars de la team. Une seule action, les gars. Mais lorsque vous faites quelque chose, donnez-vous à 100%. Il n'y a pas de place pour les petits. Dans ce monde-là, c'est un monde de jungle, c'est la jungle, et il faut tous que vous soyez des lions. Tous. Quand vous voulez quelque chose, il faut le démonter, il faut avoir faim, il faut le grailler, il faut le manger. Il faut se battre à 300%, on n'a qu'une seule vie, bordel. D'accord? Moi, pour mon équipe, je suis prêt à même y laisser mon sang. Ma vie, tous les jours je me lève le matin, tous les jours j'ai une seule pensée dans ma tête, c'est la team Fury. Je me lève Fury, je mange Fury, je me lave Fury, je meurs Fury. Quoi qu'il arrive dans ma vie, my fucking life, bordel. Oui, vous devez dire, mais Pilal, c'est la première fois que je te vois comme ça. Oui, parce que je suis déterminé, les gars, je suis déterminé, j'ai des millions de problèmes dans ma vie personnelle. Mais je me battrai pour ma team, quoi qu'il arrive. Il y a toujours et il y aura toujours des gens qui me diront: arrête, ça vaut pas le coup, tu réussiras jamais, puis t'es qu'une merde, tu n'en es pas capable. T'as pas les épaules. Tu sais pas gérer une équipe. Pour moi là, tu vois, pour moi ces gens-là, je les vois dans ma tête. Et grâce à eux, grâce à ces haters, comme on dit, eh ben je me nourris. Oui, je me nourris, je me dis, ah bon? J'en suis pas capable? Ok, eh ben je vais prouver le contraire. Et là, j'ai une putain d'énergie en moi encore plus puissante que je l'aurais jamais eu avant. La dernière personne qui m'a dit ça, la dernière personne qui m'a dit des choses comme ça, qui m'a rabaissé, c'était ma prof. Ma prof. Elle m'a dit, tu auras jamais ton bac plus 2. J'ai dit, ok, bouge pas. J'avais des zéros de partout, toute l'année, j'avais des zéros. Et à la fin de l'année, je me suis battu. Pendant l'examen, j'ai tout donné. Et je l'ai eu, ce putain d'examen. Je l'ai eu, ce bac plus 2. Et quand j'ai vu la prof en face à face, elle m'a souri. Elle m'a dit, bravo, vous êtes un miraculé. Comme quoi, tout est possible, les gars. Tout est possible dans la vie. Mais c'est vous qui décidez. Seulement vous. Et c'est à vous de vous donner à fond. Perdez pas espoir. Travaillez.